Après quelques temps d'utilisation de votre résistant, il va falloir penser à la changer. Pour le faire, on dévisse le bas du chléromiseur qui doit être vide. On pose le top cape et le pyrex. On dévisse la résistance. Et on revisse la nouvelle. On imbibe la nouvelle résistance de liquide. Puis, on replace le top cape avec le pyrex. Votre résistance est changée.